Bonjour à toutes et à tous. On va compléter notre révision. Aujourd'hui, on va voir la fonction de reproduction chez la femme. Ce cours-là est destiné aux élèves de la section des sciences expérimentales, des mathématiques, de la science biologique, ainsi pour les sections lettres en option SVT. Notre chapitre, normalement, se doit commencer par la détermination des manifestations et des modifications qui s'accompagnent à la phase de la puberté chez la fille qui commence vers l'âge de 11 à 12 ans et se manifeste par l'ensemble des modifications organiques et des comportements psychiques chez le sexe féminin. Ces manifestations constituent ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Et en exemple, on a l'apparition des pellosités dans des endroits précis, le développement des seins, l'élargissement des hanches, l'apparition des premières règles. L'apparition des premières règles ou bien ce qu'on appelle menstruation. Donc, elles apparaissent périodiquement tous les 28 jours, donc en général, et durent quelques 4 à 5 jours et forment ce qu'on appelle le cycle menstruel. Donc, par comparaison avec la fonction de reproduction chez l'homme, on va voir l'organisation de l'appareil reproducteur chez le sexe féminin. Donc, voici en vue de profil en face, montre qu'il y a des organes internes. Donc, il y a des organes plus ou moins externes associés aux vulves. Donc, mais on va retenir cette structure-là. Donc, on a deux ovaires, position bilatérale. Puis, on a ici, donc, on a des pavillons. Par la suite, on a une structure du tube, ou bien on appelle trompe de Fallope, ou bien oviducte. Par la suite, on a cette structure-là, ce qu'on appelle l'utérus, formé par le myomètre des cellules musculaires externes et des structures internes réduites, ce qu'on appelle en rouge, réduites à l'endomètre ou bien muqueuse utérine, avec la présence d'une cavité au niveau de l'utérus et un col au niveau de l'utérus. Le vagin existe en position et l'orifice génital. Donc, l'ensemble de ces structures, l'ensemble de ces éléments-là, repérés au niveau de l'appareil reproducteur, peuvent avoir l'organisation, toujours par comparaison avec le sexe, la fonction de reproduction chez l'homme, l'organisation suivante. Dressé dans un tableau, le nom, les organes, le nom de cet organe et la fonction assurée. Donc, on note la présence, par comparaison, toujours avec l'homme, donc la présence des glandes génitales ou bien des gonades réduites à des ovaires et assure la production des gamètes femelles, c'est la fonction exocrine et la sécrétion des hormones sexuelles et ce qui représente la fonction endocrine. Donc on note la présence des voies génitales, deux pavillons qui assurent la réception proche de l'ovaire et qui assure la réception du gamète femelle, deux oviductes ou bien deux trompes. Donc, c'est le lieu, l'intérieur supérieur, c'est le lieu de la fécondation et qui assure la conduction de l'œuf vers l'utérus en cas de fécondation. Un utérus, c'est le lieu de la nidation, développement de l'œuf. Là-bas, c'est le lieu de la gestation ou bien de grossesse. Un organe de copulation comme un vagin, c'est le lieu de la réception du sperme au cours d'une éjaculation, par éjaculation. Donc, comme vous voyez, donc, on note la présence des gonades, des voies génitales, des organes de copulation. Et par comparaison avec le sexe masculin, donc la fonction de reproduction chez l'homme, on note l'absence des glandes annexes. Toujours, il faut se rappeler qu'on est en train d'étudier la fonction de reproduction chez la femme après avoir étudié la fonction de reproduction chez l'homme. Donc, il doit y avoir des possibilités de comparaison large. On va détailler la structure des gonades, l'ovaire. Donc, en coupe transversale, l'ovaire montre la présence de quoi? D'une partie centrale richement vascularisée, riche en vaisseaux sanguins et en nerfs, avec la présence des structures tout au long de la périphérie, donc de la partie périphérique. Donc, on distingue essentiellement l'ovaire composé de deux zones, une zone médullaire, ou bien appelée médulla, riche en nerfs, et en capillaire sanguin, et une zone corticale, ou bien appelée cortex, riche en structures spéciales qualifiées de follicules. Donc, on note la présence des follicules en plusieurs étapes ou bien en plusieurs stades. Donc, il va y avoir une
entre autres, une évolution à partir d'un stade initial, donc appelé stade initial follicule primordial, et un stade final appelé follicule de dégraffe. Donc, c'est la folliculogenèse. Donc, les follicules évoluent à partir d'un stade initial, follicule primordial, vers un follicule mûr ou bien follicule de dégraffe, c'est la folliculogenèse. On va détailler cette évolution et on va détailler les structures en détail. La folliculogenèse. Donc, voici une autre coupe effectuée au niveau de l'ovaire. On distingue des follicules primordiales, des follicules primaires, des follicules secondaires, des follicules tertiaires, des follicules mûrs ou bien follicules dégraffe. Par la suite, il va y avoir le phénomène de l'ovulation ou bien l'expulsion à partir du follicule mûr d'un nouveau site 2 bloqué en métaphase 2. Donc voici l'évolution, comment ça se fait des follicules primordiales en follicules tertiaires. Schéma qui illustre les différences rencontrées entre ces structures-là. Donc follicule primordial, on a un nouveau site central avec la présence de quelques cellules folliculaires en externe, quelques 3 à 4 cellules folliculaires, donc aplaties vers l'extérieur. Au niveau de la follicule, du follicule primaire, on note la présence d'un nouveau site 2 central et d'une couche de follicules, de cellules folliculaires. Par la suite, au niveau du follicule secondaire, la taille devient de plus en plus importante. Donc, on a un nouveau site central avec des cellules folliculaires de plus en plus importantes et début de l'apparition de cellules de TEC. Follicule tertiaire, encore appelé cavitaire par la présence des cavités au niveau de ces follicules-là. Donc, on note la présence d'une TEC externe, TEC interne. Les TEC externes sont à terme de protection. Les TEC internes, ce sont glandulaires, sécrétrices des hormones. Par la suite, la cavité devient de plus en plus importante. Donc, et on distingue ce qu'on appelle l'antrome. L'antrome, par la suite, l'ovocyte 1, donc il va se joindre dans un pôle, donc le forus cumulus euphorus. Donc on a un nouveau site, on a cavité, cellule folliculaire, TEC externe, TEC interne, bien différencié. Donc c'est le follicule mûr ou bien le follicule de dégraffe. On a dit que vers le 14e jour, donc l'ovocyte 1 va être expulsé à partir du follicule mûr et va se transformer en structure qu'on appelle ovocyte 2, bloqué en métaphase 2, ce qui représente le gamète femelle. La structure de cette cellule sexuelle femelle, donc voici observation microscopique et voici une représentation schématique d'interprétation d'un ovocyte 2 à l'ovulation lors de son expulsion. Il se transforme en ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. De l'extérieur vers l'intérieur, on note la présence des cellules folliculaires. Par la suite, on a une zone pellucide qui entoure le tout. Ici, on note la présence d'un globule polaire. Par la suite, on a un espace péri-ovocytaire. On note la présence des granules corticaux, un cytoplasme de l'ovocyte, avec un matériel nucléaire qui se trouve bloqué ou bien arrêté pendant la métaphase de la deuxième division méiotique. Les caractéristiques du gamète femelle, par comparaison toujours avec le spermatozoïde, donc un cytoplasme volumineux qui est riche en substances de réserve, avec un noyau toujours haploïde et qui, lors de la fécondation, va rétablir ce qu'on appelle la diploïdie. On a mentionné que la possibilité de la comparaison entre le gamète mâle et le gamète femelle, donc, titre de conseil méthodologique, la comparaison nécessite obligatoirement la réponse à cette question-là, ou bien à ce terme-là, de comparer, par l'établissement d'un ce qu'on appelle d'un tableau. Le tableau doit renfermer, en termes de colonne, ce qu'on va comparer, si on va comparer l'ovocyte 2 et le spermatozoïde. Donc, et en termes des lignes, les éléments à comparer, ou bien les critères à comparer. Donc ici, on peut mentionner les points en commun, les points en différence entre l'ovocyte 2 et les spermatozoïdes. En commun, ce sont des cellules haploïdes gamétiques, ce sont des gamètes issues par méiose. Donc, ce sont des cellules haploïdes dont le nombre de chromosomes est égal à 23. En termes de différence, la forme n'est plus la même, elle n'est pas la même.
Donc ici, forme sphérique circulaire, ici, forme allongée. La taille, 100 mètres, 100 micromètres pour l'ovocyte de 60, encore moins pour les spermatozoïdes. La présence de substances de réserve, l'ovocyte est riche en substances de réserve. Pas de substance, pratiquement pas de substance de réserve au niveau du spermatozoïde. Si on va parler de la mobilité, donc l'ovocyte 2, elles sont immobiles pratiquement, donc, alors que les spermatozoïdes, ce sont des cellules, ce sont des gamètes mobiles par la présence des flagelles et par le déplacement à l'intérieur des voies génitales de la femme. L'ovogenèse. L'ovogenèse, c'est le processus de formation de l'ovocyte 2. Donc, rappelons que la spermatogenèse comprend quatre phases, une phase de multiplication, suivie d'une phase d'accroissement, suivie d'une phase de maturation, suivie d'une phase de différenciation. Est-ce qu'on va avoir les mêmes phases qui se répètent ici? Donc, encore, on a vu que la spermatogenèse, c'est un phénomène qui est continu. Ici, on pense qu'il y a des discontinuités qui existent entre de la naissance vers la puberté, donc pendant la vie fœtale ici, donc en cas de fécondation ou bien en absence de la fécondation. Donc il y a des interruptions. En plus, on note la présence de la phase de multiplication, de la phase d'accroissement et de la phase de maturation. Donc absence de la phase de différenciation avec l'évolution des zygogonies en ovocyte 1, arrêt pendant la naissance en prophase 1, par la suite rétablissement de l'activité de la puberté à la ménopause, et de façon cyclique, mentionner le terme ici par cycle ou bien cyclique, la reprise de l'accroissement, l'ovocyte 1, donc, qui va subir la maturation, en division réductionnelle, va donner l'ovocyte 2, avec l'apparition d'une structure ici qu'on appelle le premier globule polaire. Donc cette division, c'est une division réductionnelle qui s'accompagne par quoi? Par la formation des cellules haploïdes à N chromosome ici, N chromosome dupliqué ici, par la suite, la division équationnelle assure la formation à partir de l'ovocyte 2, et en cas de fécondation, donc, l'ovocyte 2 va se transformer en ovocyte bien en ovule, donc il va libérer ce qu'on appelle le deuxième globule polaire, et ceci ne se fait qu'en cas de fécondation. Donc, il y a des conditions ici à l'achèvement de l'ovogenèse. Une deuxième représentation, donc chez le fœtus, à la naissance de l'insuffisance de la puberté, c'est une période de repos, de façon cyclique de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc vous voyez qu'on a la transformation de l'ovocyte 1, qui va donner l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 avec premier globule polaire. En cas de fécondation, l'ovocyte 2 elle va se transformer en ovocyte fécondé, donc avec libération du deuxième globule polaire. Ici, on constate qu'il y a dégénérescence des globules polaires. Et donc, en absence de la fécondation, donc l'ovocyte 2 elle va subir une érection de dégénérescence en cas d'absence de spermatozoïde qui va pénétrer. Donc, on mentionne ici la présence de trois phases au lieu de quatre. L'ovocyte 2 reste bloqué au stade métaphase 2. Il n'achève sa division équationnelle qu'après la pénétration du spermatozoïde lors de la fécondation. C'est une condition à respecter. Ceci pose encore la possibilité, on vous demande dans des questions de croc, par exemple, une comparaison entre spermatogenèse, phénomène de spermatogenèse et l'ovogenèse. Donc toujours, on va répondre sous forme d'un tableau. Qu'est-ce qu'on va comparer spermatogenèse et l'ovogenèse avec, ici on va comparer les phases propres à spermatogenèse et à l'ovogenèse. Donc les critères de comparaison ici et les éléments à comparer dans en termes de colonne. La multiplication, c'est un point commun entre spermatogenèse et l'ovogenèse parce qu'on constate qu'il y a division de spermatogonie, de zygogonie, donc par mitose successive et augmentation du nombre de ces cellules-là. L'accroissement, elle est faible au niveau de la spermatogenèse, elle est très importante au niveau de l'ovogenèse. La maturation se fait toujours par méiose, sauf que ici, un spermatogonie va donner naissance à quatre spermatides, ici, donc, la méiose est bloquée en métaphase 2 et ne s'achève que lors de la fécondation, donnant naissance, donnant un seul ovocyte 2. La différenciation. La différenciation, l'étape encore appelée spermiogenèse, c'est chez la spermatogenèse. Donc, c'est l'ensemble des transformations propres des spermatides en spermatozoïdes.
Donc, la différenciation n'est pas claire au niveau des ovogenèses. On a parlé de ce qu'on appelle cycle, l'activité cyclique, la formation des cellules sexuelles cycliques. L'expulsion de l'ovocyte 2, elle est cyclique. Donc, on va essayer de voir dans cette partie-là les cycles sexuels chez la femme et on va parler d'un cycle dans le cas, la durée moyenne d'un cycle sexuel est de 28 jours. On compte le premier jour du cycle comme égal au premier jour de l'apparition des règles. Et ça, c'est l'ensemble des conventions. Au niveau de l'ovaire, on note la présence des structures folliculaires importantes, sauf que 3 à 4 mois, les follicules primordiaux vont évoluer en follicules tertiaires, en passant par stade follicule primaire, follicule secondaire, follicule tertiaire. Donc, et au début du cycle, on commence toujours notre cycle avec la présence d'une dizaine de follicules tertiaires, sauf que vers le 14e jour du cycle, on n'obtient qu'un seul, donc ovocyte, qui va continuer sa maturité vers follicule mûr. Donc, ici, on note la présence des structures folliculaires. À la fin de l'ovulation, l'expulsion de l'ovocyte 2, il va entraîner la formation d'une structure spéciale qu'on appelle corps jaune. Les cellules du granulosal vont se charger d'une substance qu'on appelle la lutéine, et vont donner naissance au corps jaune. Le corps jaune, il continue son développement par la suite, et vers le 21e jour, en absence de fécondation, on va régresser. Donc cette structure-là, elle va aller à développement, par la suite, il y a régression. Donc on distingue au niveau de l'ovaire une phase où il y a uniquement des follicules, une phase d'ovulation ou bien l'expulsion de l'ovocyte 2, bloqué en métaphase 2, une phase lutéinique ou bien phase de corps jaune ou bien phase lutéale, caractérisée par la présence de cette structure-là ou bien structure du corps jaune. Donc, les phases du cycle, on a une phase folliculaire, encore appelée phase pré-ovulatoire, parce qu'elle précède l'ovulation. Elle débute du premier jour vers le 14e jour du cycle. Une dizaine de follicules d'une jeune follicule tertiaire ayant commencé leur évolution 3 à 4 mois avant le cycle, poursuivent leur croissance, mais conditionnel, un seul devient follicule mûr à la fin de cette phase. Les autres vont subir ce qu'on appelle la dégénérescence et on appelle ce phénomène-là l'atrésie folliculaire. Vers le 14e jour, le follicule mûr éclate et expulse une structure qu'on appelle ovocyte 2, bloquée en métaphase 2 dans le pavillon de l'appareil génital de la femme. La phase, troisième phase, c'est une phase lutéale, encore appelée phase lutéinique, encore on va insister sur le phénomène dominant pendant le cycle ovarien, l'ovulation, donc on appelle ça phase post-ovulatoire, début du 14e jour vers le 28e jour. Un corps jaune se forme à partir du follicule rompu, atteint son maximum de développement au milieu de cette phase-là vers le 21e jour. Deux conditions se posent. S'il y a eu une absence de fécondation, ce corps jaune il régresse et perd son activité à la fin du cycle. On parle à ce moment-là d'un corps jaune cyclique qui a terminé ce cycle-là et va commencer un nouveau cycle. S'il y a fécondation, le corps jaune persiste, se développe davantage pendant le premier mois de la grossesse. On appelle ça corps jaune de gestation. Au-dessous des ovaires, on a un cycle qui se produit au niveau de l'utérus. L'utérus est formé par une couche externe qu'on appelle le myomètre, couche épaisse vers l'extérieur, myomètre bien muscle, encore appelé le muscle de l'utérus bien muscle utérin, une muqueuse utérine à l'intérieur, c'est l'endomètre, avec la présence d'une cavité et d'un corps de l'utérus. Donc, comme l'utérus est un élément de l'appareil génital, va subir l'activité ou bien des modifications cycliques propres à cet organe-là. Le myomètre, c'est une couche épaisse de muscle. Donc, c'est un muscle. Le muscle n'effectue que deux mouvements. Soit il se contracte, soit il se relâche. Donc, le myomètre
ne subit pas des modifications qui touchent profondément la structure du myomètre. Donc, de J1, du premier jour vers le 14e jour, donc, il se contracte de façon rythmique. Du 14e vers le 28e jour, sa contraction s'arrête et on parle à ce moment-là du silence utérin. Le cycle de l'endomètre, bien le cycle menstruel. Comme son nom l'indique, ce cycle-là est caractérisé par des modifications sociologiques suivantes appelées la menstruation, ou bien encore appelées règles. Donc la menstruation, bien règle, la partie supérieure de la muqueuse, ici, donc se nécrose, se fragmente, tombe, il perd 4 à 5e de son épaisseur, avec des saignements qui durent 4 à 5 jours, c'est l'ensemble des modifications propres à la menstruation, ou bien aux règles. Par la suite, ce schéma-là, il illustre l'ensemble des modifications donc, au cours du cycle menstruel. Donc, on note ici les règles, ou bien phase menstruelle. Ici, on a du 5 vers 14e jour, donc, et par comparaison avec la phase pré-ovulatoire, donc on a une phase post-menstruelle, post-menstruation. Donc ici, du 14e vers 28e jour, on a une phase pré-menstruelle par rapport à une nouvelle menstruation qui va commencer ici. Donc regardez, les modifications ne touchent pas le myomètre, la partie basale, l'ensemble des modifications. Il touche l'endomètre. Donc, on coupe, regardez, les modifications structurales qui s'observent au niveau de l'utérus. Donc, plus on va aller vers la fin du cycle, donc les modifications deviennent de plus en plus importante. Ici, on a les artérioles spiralisées, des glandes, formation des glandes en tube. Vers le 28e, 21e jour, donc, on a la formation des structures complètes qualifiées de la dentelle utérine. Voici une coupe entre, au niveau de l'utérus effectuée pendant la phase post-menstruelle, c'est-à-dire juste après la menstruation. Donc, pas de développement interne au niveau de la muqueuse utérine. Et si le développement devient de plus en plus important avec formation d'une structure spéciale qualifiée de dentelle utérine. Donc, voici encore un détail observé au niveau de l'utérus. Donc, pendant, c'est la phase proliférative, regardez ici. Donc, on distingue pratiquement une phase de menstruation, une phase de prolifération, de développement post-menstruel, on a ici une phase de sécrétion qui devient de plus en plus importante. Donc, règle, ovulation, phase post-menstruelle, c'est une phase de prolifération, de développement, de reconstitution, d'épaississement et d'une vascularisation. Regardez ici la contraction au niveau des myomètres sont rythmiques et présente une fréquence bien déterminée. Par la suite, pendant la phase pré-menstruelle, c'est une phase de sécrétion. L'endomètre, il va s'épaissir, il va devenir très vascularisé avec la formation des glandes et des capillaires. Donc, cet aspect-là est qualifié d'aspect de dentelle utérine avec la sécrétion du mucus et du glycogène. Et si notez bien, pendant cette phase-là, on constate qu'il y a un silence utérin qui s'observe au niveau du myomètre. Quelle est l'importance de ce silence utérin? Par la suite, on va voir pendant la deuxième phase. Faire un récap à l'ensemble des phases propres au cycle menstruel. Phase post-menstruelle J5, J14, caractérisée par l'accroissement de l'endomètre, prolifération des vaisseaux sanguins, développement des glandes en tube. Une phase pré-menstruelle du 14e vers 28e jour, caractérisé par accroissement plus important au niveau de la muqueuse, les vaisseaux sanguins se spiralisent, les glandes en tube deviennent plus longues, plus sinueuses et seront plus de sécrétion du glycogène du mucus. Au 21e jour du cycle, il faut bien se repérer toujours au 21e jour du cycle, donc la muqueuse est au maximum son développement. On parle de dentelle utérine. C'est l'aspect favorable à la nidation. À partir du 21e jour du cycle, en absence de la fécondation, la muqueuse commence à régresser,
à cause d'un ralentissement de son irrigation. Toutes ces modifications préparent les conditions favorables à la nidation et le développement de l'embryon. En cas de fécondation, en absence de fécondation, ces préparations deviennent inutiles. La partie supérieure de la muqueuse est détruite, entraînant des menstruations qui marquent un nouveau cycle qui va commencer. Donc, 21e jour, J1, J5, période de menstruation. 21e jour, en cas de fécondation, en absence de fécondation, il faut se repérer par rapport à ces jours-là. Les modifications touchent encore et de façon cyclique la variation de la température chez la femme. Donc, durant la phase folliculaire, durant la phase pré-ovulatoire, la température corporelle est inférieure à 37. Il varie entre 36, 36,5, 37 degrés Celsius. Pendant la phase, seconde phase, la phase luthéenique, phase pré-menstruelle, la température est supérieure à 37 degrés, peut atteindre même jusqu'à 37,5, parfois 38 degrés. Donc, il y a une élévation, une variation ou bien une augmentation de température qui passe de 36,5 à 37,5 le jour de l'ovulation. On appelle ça encore une augmentation de la température ou bien une hyperthermie. La glaire cervicale est constituée d'un réseau de filaments protéiques. Donc la glaire cervicale, il montre des modifications tout au long du cycle. Donc pendant la période ovulatoire, l'émaillage, c'est très lâche, il permet et même facilite la pénétration, bien les passages spermatozoïdes, c'est le cas, figure B. En dehors de cette période-là, l'émaillage se trouve lacéré et constitue un véritable obstacle et va empêcher le passage spermatozoïde vers les organes génitaux de la femme. Donc ici, donc, la graisse cervicale, c'est un filtre, bien, c'est un milieu de sélection de passage, donc elle est ici, elle est favorable, ici au-delà de cette période ovulatoire, donc elle est hostile au passage des spermatozoïdes. Donc, parallèlement à la fonction exocrine par la formation des gamètes, donc on en a parlé, par comparaison toujours avec la fonction de reproduction chez l'homme, on a parlé de ce qu'on appelle la fonction endocrine. La fonction endocrine, c'est-à-dire la sécrétion des hormones qui se font par les gonades essentiellement. Donc, le cycle des hormones, ou bien le cycle hormonal, l'ovaire comme étant un gonade, donc les ovaires contrôlent l'utérus par l'intermédiaire de deux hormones qu'on appelle l'estrogène et la progestérone. Donc, l'ovaire ici assure la fonction endocrine par la production de ces hormones-là. Donc, la production des hormones-là, elle est cyclique. Et surtout, regardez ici, le deuxième terme, c'est la présence des pics caractéristiques. L'activité de sécrétion, elle est cyclique. En plus de ça, elle est caractérisée par des pics caractéristiques. Donc, la reconnaissance de ces hormones-là se fait par le repérage de l'ensemble des pics caractéristiques. Phase folliculaire, phase lutéale, l'ovulation, donc l'ovaire, il assure la production en bleu d'un estradiol, d'une hormone ovarienne. Donc, ici, caractérisée par des pics, un pic moins important pendant la phase d'ovulation. Pic important pendant la phase d'ovulation, pic moins important par rapport à la présence d'une deuxième hormone qu'on appelle progestérone, donc vers le 21e jour de cycle. Voici une illustration sur la production des hormones, l'estrogène. Regardez maintenant, follicule mûr. Regardez maintenant, on va assister à l'ovulation, ici l'ovulation, ici un pic d'estrogène. Donc, par la suite, on note la présence pendant la phase luthéenique de la sécrétion de l'œstrogène et de progestérone avec une sécrétion très importante de progestérone. Donc, ça se répète encore. Donc, repérer les modifications et les sécrétions hormonales. Donc, follicule tertiaire, très développé avec une sélection de le follicule. Top, ici, on note la présence de l'ovulation avec pic d'estrogène. Donc, ici, au niveau de l'ovaire, corps devient de plus en plus jaune, donc c'est le corps jaune, et sécrétion importante de progestérone. Donc deux pics caractéristiques pour l'estrogène et un pic important vers le 21e jour au niveau pour la progestérone.
On a dit que les ovaires contrôlent l'utérus par sécrétion des hormones ovariennes, l'estrogène et la progestérone. Comment ça, ça va se faire, ce mécanisme de contrôle? Donc, commande du cycle de l'utérus par les ovaires. Donc ici, on constate qu'il y a une synchronisation entre les cycles, au niveau du cycle de l'ovaire, et les sécrétions d'estrogène et progestérone, et les modifications propres ou bien cycliques qui touchent l'ensemble de l'utérus. Donc on va repérer la phase de menstruation au niveau de l'utérus, et on va repérer ici le début de cycle. Donc, si vous regardez ici, donc top. Donc ici, on note l'utérus, destruction des règles, prolifération, développement par la formation d'estrogène et de progestérone. Et regardez maintenant la destruction des structures de l'utérus. Ils sont propres, sont caractérisés ici par une chute des hormones. Donc le déterminisme de la menstruation est un déterminisme hormonal. Regardez ici, chute. Ces hormones-là, chute, destruction de la structure propre à l'utérus à la fin de la phase luthéenique ou bien luthéale, encore appelée phase prémenstruelle. Donc, repérer les modifications, de nouveau, ovulation, phase luthéenique, donc spiralisation, formation d'une structure spéciale, ainsi on note la destruction. Donc l'ovaire contrôle l'activité utérine par la sécrétion des hormones de type estrogène et progestérone. Donc les profils sont bien connus depuis l'animation précédente. Donc l'estradiol ou bien l'estrogène, l'estradiol présente deux pics. Un grand pic vers le deuxième jour du cycle qui atteint 250 picogrammes par millilitre du cycle et un pic moins important dont la concentration atteint 100 picogrammes par millilitre vers le 21e jour du cycle. L'origine, ou bien les cellules productrices de cette hormone-là, donc sécrétée par les cellules des TEC internes, des follicules cavitaires et follicules mûres, et par les cellules de la zone granuleuse, donc ainsi par le corps jaune, pendant la phase de TA, donc double sécrétion, pendant la phase pré-ovulatoire et pendant la phase post-ovulatoire, bien luthéal par le corps jaune. Sur l'action, de l'estradiol sur la muqueuse utérine, l'estradiol, il fixe des récepteurs au niveau de la muqueuse, favorise la multiplication des cellules, assure le développement des glandes, des vaisseaux, il maintient une température du corps constante, légèrement au-dessous de 36 degrés. Comme autre effet, il assure le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires. Encore appelé l'estradiol, hormone de la femme. La progestérone, qui est pratiquement ou bien presque absente pendant la première période du cycle. La progestérone est sécrétée pendant la phase luthéenique et présente un seul pic, 16 nanogrammes par millilitre vers le 21e jour du cycle. Pic important. Sécrété par les cellules luthéiniques du corps jaune pendant la phase luthéale. L'action, ces hormones-là, de progestérone, agissent seulement si les œstrogènes ont agi avant. Donc l'action de progestérone est précédée par une action d'une préparation par l'œstrogène. Agit seulement si les œstrogènes ont agi avant. Les œstrogènes et la progestérone agissent en synergie. Au niveau de la muqueuse, elle permet le développement de la dentelle utérine. Cette structure-là va se former vers le 21e jour du cycle et stimule la sécrétion des mucus de glycogène. Elle est responsable de cette légère hyperthermie, légère augmentation de la température. Il inhibe la contraction du myomètre, ce qui explique un silence utérin caractéristique de la deuxième période du cycle. L'autre effet de cette hormone-là, encore appelée une hormone gestative, car elle assure le bon déroulement de la grossesse. Encore, elle est appelée hormone de la mère. À la fin du cycle et en absence de la fécondation, la régression du corps jaune entraîne quoi ?
la chute du taux des hormones ovariennes, ce qui entraîne la menstruation. Donc, on a parlé du déterminisme de la menstruation. La menstruation présente un déterminisme hormonal, c'est-à-dire qu'il y a des hormones qui sont responsables de ce phénomène-là. Donc, la chute ou bien la diminution des taux des hormones estrogène, progestérone, il assure l'apparition des règles et la destruction de la partie de la muqueuse utérine. L'ovaire, comme étant un gonade, elle est sous le contrôle de l'hypophyse, et ceci par comparaison avec la fonction de reproduction chez l'homme. Les hormones hypophysaires, déjà sécrétées, sans modification, en termes dominatifs, l'hypophyse contrôle les ovaires par l'intermédiaire de deux hormones hypophysaires encore appelées des gonadostimulines, encore appelées des gonadotrophines. C'est la FSH et la LH. Donc, voyons maintenant la variation de la concentration ou bien de la sécrétion de ces hormones-là hypophysaires. Phénomène caractéristique, c'est l'ovulation, expulsion de l'ovocyte 2, bloqué en métaphase 2, une phase pré-ovulatoire, une phase post-ovulatoire ou bien une phase folliculaire, suivi d'une phase ici qu'on appelle phase corps jaune, ou bien phase lutéale. Regardez ici, au début, on constate qu'il y a une augmentation, une légère augmentation du taux de FSH et taux de LH, FSH en rouge. Par la suite, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une chute au niveau de la FSH qui explique ce qu'on appelle l'atrésie folliculaire, donc la chute. Et ici, au niveau de FSH, qui est l'hormone responsable du développement des follicules, donc FSH, c'est l'hormone stimulating, folliculo-stimulating hormone, c'est l'hormone de la stimulation folliculaire. Donc, la chute de cette hormone-là, il assure l'atrésie folliculaire par la suite si on va avoir la formation ou bien un seul follicule tertiaire qui va persister et qui va compléter son développement pour atteindre ici, donc, à la phase de l'ovulation. Donc, regardez ici un pic important vers 13e jour, 13e, 14e jour du cycle, donc pic de LH. Donc, à voir. Comment on va reconnaître ces hormones-là et la fonction assurée par ces hormones-là? Donc, profil, on parle de profil de sécrétion qui va jouer un rôle important dans l'analyse. Donc, lors de l'analyse, donc, si en fait, vous allez déterminer comment est le profil de cette sécrétion-là. Au début du cycle, le taux de FSH présente une légère augmentation, puis il diminue. On a un pic important vers le FSH, ça, donc entre 13e et 14e jour du cycle, avec diminution durant la phase luthéinique. L'oral, FSH stimule le développement du follicule ovarien. C'est une hormone de folliculogénèse. Il stimule la sécrétion des estrogènes par ces follicules-là. Il favorise la sécrétion de l'estrogène par les TEC internes de ces follicules-là. La chute de FSH provoque l'atrésie folliculaire tertiaire, sauf le follicule dominant qui va continuer son développement. L'augmentation à la fin du cycle, il stimule la croissance folliculaire qui s'établit toujours avant chaque nouveau cycle. La LH. Au début du cycle, le taux de LH est faible, présente un grand pic entre 13e et 14e jour du cycle. Ensuite, le taux va diminuer jusqu'à la fin du cycle. La LH, le pic de LH, il stimule la reprise de la méiose par l'ovocyte 2. La LH, le pic de LH, il permet la transformation de follicules rompus en corps jaune. Le pic de LH, il déclenche le phénomène qu'on appelle le phénomène de l'ovulation. Et il permet la transformation du follicule rompu en corps jaune. L'action de la LH s'exerce en synergie avec la FSH, c'est-à-dire l'absence d'un pic de FSH, il n'assure pas l'ovulation. La LH, il stimule la sécrétion des estrogènes et de progestérone par le corps jaune pendant la deuxième période du cycle. L'hypophyse, il contrôle l'activité ovarienne. L'ovaire contrôle l'activité utérine. Mais tout ça est sous le contrôle de l'hypothalamus et la sécrétion d'une neurohormone, la GnRH.
l'hypothalamus il contrôle l'hypophyse grâce à une neurohormone, car la GnRH qui stimule les cellules hypophysaires qui vont sécréter la FSH et la LH hypophysaire. La GnRH sécrétée sous forme de pulse, ceci de la même façon, dont la fréquence varie selon la phase de cycle. Si vous regardez ici, ces courbes-là, donc la GnRH, la LH, pendant vers le 13e, le 14e jour du cycle, donc regardez la sécrétion de ces neurones-là, de ces neurohormones-là, de GnRH devient de plus importante. La fréquence, elle est variable, elle augmente, avec une augmentation apparemment de l'amplitude. Donc on va voir comment l'hypothalamo hypophysaire du cycle ovarien. Donc GnRH, FSH, LH hypophysaire. Donc ici on a estrogène, progestérone. On a l'ensemble ou bien une série de modifications qui touchent ce qu'on appelle l'utérus. Donc, deux déterminismes, chute des hormones d'estrogène, progestérone et rassure ici la menstruation, pic, regardez ici l'ovulation, un pic de LH, donc il assure le phénomène de l'ovulation. Donc on répète. Pic ici, donc il assure l'expression de l'ovocyte de bloquer en métaphase 2 avec la formation du corps jaune. Parallèlement au contrat qui existe de l'hypothalamus sur l'hypophyse, de l'hypophyse sur l'ovaire, l'ovaire sur l'utérus, tout ceci est montré par l'ensemble des expériences réalisées, l'expérience d'ablation, les expériences de greffe, les expériences d'injection des extraits hypophysaires, les extraits variables, des extraits variables, et les expériences de parabiose encore peuvent montrer qu'il y a un contrôle de l'hypothalamus sur l'hypophyse, contrôle de l'hypophyse sur les ovaires, de l'ovaire sur l'utérus. Le mécanisme de rétrocontrôle ovarien sur le complexe HH. Les ovaires exercent un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire des hormones sécrétées par les ovaires, l'estrogène et la progestérone, pendant la phase folliculaire. C'est-à-dire pendant, juste après, 4e jour, vers le 11e jour. Donc l'estrogène à faible dose exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe HH et va freiner la sécrétion du GnRH par la suite de LH de FSH. Donc pendant la phase folliculaire, note un mécanisme de rétrocontrôle négatif. Pendant la phase préovulatoire qui s'étend du 11e vers le 14e jour du cycle, l'estrogène présente un pic à forte dose, supérieur au seuil. Il exerce quoi maintenant? Non pas un rétrocontrôle négatif, mais plutôt un rétrocontrôle positif sur le complexe HH. Il va stimuler la sécrétion de GnRH et par la suite la sécrétion de LH, d'où le phénomène de l'ovulation. Donc, si on vous pose la question suivante, indiquez-le ou bien expliquez le déterminisme de l'ovulation. Parce qu'il y a déterminisme, donc il faut mentionner le rôle des hormones. Ça, c'est conventionnel de vient maintenant. Donc, déterminisme, c'est mentionner les hormones. Il faut mentionner le mécanisme de rétrocontrôle positif qui serait responsable de ce déterminisme-là, de l'ovulation. Donc, rétrocontrôle positif, sécrétion estrogène à forte dose, donc LH forte dose, donc par la suite ovulation. Pendant la phase lutéale, l'estrogène progestérone à forte dose exerce un mécanisme de rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire et va freiner la sécrétion de FSH et de LH. Tout ceci serait repéré au niveau de quoi? Au niveau des courbes de variation de FSH, de LH, d'estrogène, de progestérone cyclique. Donc une animation qui illustre l'ensemble des rétrocontrôles exercés par l'ovaire sur l'axe HH. Donc ici on est pendant un rétrocontrôle négatif. Regardez, au-delà de la phase ovulatoire, on a un rétrocontrôle négatif qui s'exerce par l'estrogène
essentiellement par la progestérone pendant la deuxième période du cycle. Donc ici, on a un rétrocontrôle négatif exercé par l'estrogène et la progestérone. Donc on revient à un rétrocontrôle négatif exercé par l'estrogène au début du cycle. Vers le milieu du cycle, on note un rétrocontrôle positif, regardez ici, exercé essentiellement à forte dose par l'estrogène et par, pendant la phase lutéinique, un rétrocontrôle négatif. Les expériences d'ablation et l'injection de forte dose d'estrogène permettent de repérer ce phénomène-là chez un rat, ovariectomisé, etc. On pourrait vous demander encore des schémas fonctionnels qui représentent la régulation de la fonction de reproduction qui se fait chez la femme. Donc, l'influence centrale, il permet de stimuler l'hypothalamus. L'hypothalamus, il va sécréter une hormone GnRH qui agit au niveau de l'hypophyse antérieure, assurant la sécrétion de deux hormones, la FSH et la LH. La FSH, c'est une hormone qui agit sur la croissance folliculaire des ovaires. La LH agit et permet la formation des charges ovulatoires et la formation du corps jaune. Les follicules, elles assurent la formation de l'estrogène, la sécrétion d'estrogène au début de cycle, pendant la phase préovulatoire. Ils vont agir sur les organes cibles. L'estrogène et la progestérone sécrétés pendant la deuxième période du cycle et ils vont agir eux-mêmes sur les organes cibles. Et on va voir les fonctions assurées déjà repérées dans un tableau. Ici, on a pendant la phase folliculaire, l'estrogène exerce un rétrocontrôle négatif. Pendant la phase ovulatoire, juste pré-ovulation, donc on a dit qu'on a un rétrocontrôle positif. Au-delà, pendant la deuxième période du cycle, on a une phase de phase de tunique au cours de laquelle le rétrocontrôle négatif est caractéristique de cette période-là. Bien, de même ici, ce schéma-là encore illustre les mécanismes de rétrocontrôle négatif déjà observés. Donc, hypothalamus, hypophyse antérieure, follicules cavitaires, pic de LH et pic de FSH, il assure la rupture des follicules mûres, expression de l'ovocyte 2, phénomène de l'ovulation. Donc, ce pic d'estradiol, il exerce un mécanisme de rétrocontrôle négatif, il est responsable de ce mécanisme-là. L'estrogène et le progestérone, ils contrôlent l'activité de l'utérus par la suite. Schéma qui illustre l'ensemble des activités cycliques tout au long des organes de l'appareil génital du système nerveux chez la femme. Ici, on a le FSH et la LH. Donc, le pic en rouge, ça va être le pic de LH. Donc, pic moins important vers le 14e jour du cycle. Donc, c'est 13e, 14e jour du cycle, c'est la FSH. Donc, ici, activité synchrone entre la FSH et la LH, en synergie. Donc, ce pic-là conduit à l'expulsion de l'ovocyte 2 par un phénomène qu'on appelle l'ovulation. L'ovulation se manifeste par une sécrétion très importante et à forte dose d'estradiol qui va exercer un rétrocontrôle positif sur la LH, d'où l'expulsion de l'ovocyte 2. Par la suite, on assiste ici pendant cette période, cette phase folliculaire, bien post-menstruelle, pré-ovulatoire, donc on assiste à une phase de développement qui touche l'utérus, l'ovulation. Par la suite, phase de formation de la dentelle utérine, la structure responsable à l'anidation, favorable à l'anidation. Regardez, pic important d'estradiol, de progestérone ici, ça, un pic moins important d'estradiol, avec formation d'une structure spéciale, qualifiée de corps jaune. Régression du corps jaune qui s'accompagne de la régression de la structure utérine. Ici,
donc structure la variation de la température, donc une légère variation pendant la phase ovulatoire ou bien une hyperthermie pendant la phase ovulatoire. Donc, ce cycle-là illustre tout pratiquement, sauf que ces cycles-là de sécrétion d'activité cyclique, synchrone, activité cyclique et synchrone de l'hypophyse, de l'ovaire, des hormones ovariennes, de l'utérus, de l'endomètre, du myomètre, de la température. Regardez si ces cycles-là sont différents de ces cycles-là, alors que le phénomène qui s'ajoute, c'est l'anidation. Donc, en cas de fécondation, regardez ici l'expression de l'ovocyte 2. L'expression de l'ovocyte 2 s'accompagne de la fécondation, va avoir la formation du corps jaune. Le corps jaune atteint son maximum de développement et il persiste en termes de corps jaune. Regardez ici, on assiste à la fixation de l'œuf au niveau de la... de l'endomètre, c'est l'anidation. Par la suite, on va assister à l'évolution de la structure de l'embryon. Avec un taux élevé d'estrogène, de progestérone, structure corps jaune maintenue, silence utérin maintenu, une hyperthermie, elle est maintenue. C'est bon? Toujours, on va garder les mêmes conseils dans l'analyse des expériences. Les résultats, les déductions. On va garder toujours le principe de comparaison. Doit se faire dans un tableau avec des colonnes qui représentent les éléments à comparer, avec des lignes qui représentent les critères de comparaison, une écriture nette, claire, avec des phrases simples, courtes, qui expliquent des idées pertinentes, ce qui est demandé dans cette période-là d'analyse des courbes et des distinctions. Notez que l'activité reproductrice chez l'homme elle est continue, alors que chez la femme elle est cyclique, hormonale, synchrone, il y a une certaine synchronisation qui existe toujours entre les hormones, entre différents cycles et entre les différentes sécrétions hormonales. On va passer maintenant vers une petite application pour ce chapitre-là. On passe à une application, donc le document suivant montre des observations des différentes structures de l'appareil génital de la femme à différentes périodes d'un cycle sexuel. Structure 1, 2, 3, 4. Identifier chacune de ces structures-là. Identifier, c'est-à-dire en fait donner une justification. Déterminer plus donner une justification. Chacune de ces structures, dites à quel niveau de l'appareil génital et à quel moment du cycle correspond chacune d'elles. Précisez, présentez votre réponse sous forme d'un tableau. Si on ne vous demande pas, donc il fallait bien, comme il y a des étapes dans l'exercice, identification, détermination du niveau, détermination du moment du cycle qui correspond à la structure. Donc il fallait bien se présenter notre travail sous forme d'un tableau plus simple, plus clair, plus pertinent et nous permet d'éviter de tomber en erreur. 2. Il existe parmi ces quatre structures. 2. Dans l'une exerce un contrôle sur l'autre. Quelles sont ces structures? Expliquez ce contrôle et dites quel est son intérêt. Donc, une minute de réflexion. Par la suite, on revient pour vous présenter les éléments de la correction propres à cette partie-là.
Bon, donc l'identification de ces structures-là, par la présence de ces structures-là, dont elle est urine, une invagination, donc l'endomètre présente une dentelle et urine. Et ça, c'est le myomètre. Donc, ça va être structure de l'utérus pendant la deuxième période du cycle, donc pendant la phase lutéale. Ici, on a un ovocyte entouré par les cellules folliculaires. Ici, entouré par des techs. Donc, ça va être que ce qu'on appelle follicule secondaire. Structure 3, maille des fibres protéiques. C'est la glaire cervicale. Regardez, il y a des structures lâches où le spermatozoïde peut passer. Donc, cette structure-là de glaire cervicale constitue un milieu favorable au passage des spermatozoïdes. Ça, structure en absence d'ovocytes, présente des cellules riches en lutéine avec des techs. Cellules thécales du corps jaune. Donc, ça va être le corps jaune ici. Donc, quatre structures là. Donc, et à quel niveau de l'appareil génital et à quel moment ils ont été pris. Donc, pour la structure 1 qui est nominatif de dentelle utérine, existe au niveau de l'utérus pendant la phase prémenstruelle. Donc, la dentelle utérine vers le 21e jour est repérée. Follicule, structure 2, follicule secondaire, repéré au niveau de l'ovaire. Donc, toujours on peut retrouver cette structure-là, parce que 3 à 4 mois avant chaque cycle, il y a des cellules, des follicules secondaires. Donc, tout au long tout le moment du cycle, on peut repérer ces structures-là, structures tertiaires, structures secondaires, comme le follicule primordial, comme le follicule primaire, comme le follicule secondaire, etc. Structure 3, c'est la structure de glaire cervicale. Donc, repérée au niveau du col de l'utérus. Et ceci pendant la période ovulatoire, pendant la période où il est favorable au passage des spermatozoïdes. Structure 4, l'ovaire repéré au niveau du le corps jaune, repéré au niveau de l'ovaire, pendant la phase lutéinique, c'est-à-dire pendant la deuxième période du cycle. Par suite, on a demandé, il existe parmi ces quatre structures deux, dont l'une exerce un contrôle sur l'autre. L'une exerce un contrôle sur l'autre. Quelles sont ces structures-là? Donc, on a l'hypothalamus sur le contrôle. L'hypophyse. Donc, il ne s'agit pas de ce cas-là. Donc, l'hypophyse contrôle l'ovaire. Donc, on n'a pas mentionné la structure hypophysaire. L'ovaire contrôle l'activité utérine. Donc, l'ovaire par cette structure-là, par exemple, qui est le corps jaune, et s'il coupe au niveau de l'utérus, il pourrait avoir une relation. Donc, c'est le corps jaune qui est la structure 4, et la dentelle utérine, structure 1. Le corps jaune, dès sa formation, quoi, il sécrète une hormone appelée progestérone. Celle-ci, il accentue le développement de la muqueuse utérine qui est déjà sensibilisée par l'action de l'estrogène pendant la phase folliculaire. Donc ici, il faut mentionner la préphase de sensibilisation. L'estrogène, il sensibilise la muqueuse utérine à l'action suivante qui va s'exercer par la progestérone et assure la formation de la dentelle utérine. L'intérêt de cette action de contrôle, c'est la préparation d'un nid utérin indispensable à la nidation d'un embryon et la formation d'un nouveau être vivant. Ça a été une séance de révision pour le cours de la fonction de la reproduction chez la femme. Donc, bonne acquisition. N'oubliez pas que votre réussite toujours est notre objectif. Saïd Zouhaïr était avec vous. Prochainement, on va faire la procréation. À la semaine prochaine.